C'est parti pour la troisième partie. Alors, désolé parce que je me suis rendu compte de la qualité de ma voix. Là, je viens d'écouter. Pour la deuxième partie, je pense que ça a été très agréable d'écouter pour vous. Parce que mon microphone a fait la tête. Voilà, il a boudé pendant la deuxième partie. Et du coup, eh ben, il nous a ressorti une qualité de merde. Donc là, comme je peux pas écouter en direct ce que je dis, j'espère qu'il nous a pas refait le coup, parce que sinon, enfin voilà, hein. J'ai pas dit que j'allais le détruire, mais presque. Donc ça m'a, donc là j'ai perdu 30 minutes à essayer de le remettre comme il faut. Je sais pas. Alors j'ai fait des tests, ça marchait pas. Enfin ça marchait pas, ça marchait moins bien. Et d'un coup je reteste, et d'un coup hop là ça va mieux. Donc voilà, il fait la tête, l'autre je sais pas, il sur coup de tête, enfin bref. Bon, allez, on va continuer l'Odyssée là. Après cette petite mésaventure. Bien joué, Captain Falcon. Ça, c'est de l'entrée fracassante. Tu me laisses au limard? Mais t'es méchante. Mais elle est très très méchante. Ah là là, je me retrouve avec Olimar. C'est pas beau ça. Qu'est-ce qui lui arrive à mon ordi? Attendez. Vas-y, vas-y, débarrasse-toi d'eux. Ouais, alors, ouais, pour en revenir à la qualité du truc là. Donc j'espère que là, ça va. Et je suis désolé donc pour la deuxième partie, hein, ce sera de la merde. Parce que c'est vrai que j'écoute un petit peu entre les parties si ça a été, et là ben c'est vous dire à quel point j'ai été déçu, énervé, un peu tout ça en même temps. Tant que j'aurais pas trouvé comment ça marche, enfin oula, je vais pas sauter là. Tant que j'aurais pas trouvé pourquoi ça marchait pas, ben. Je sais pas, ça continuera à m'embêter ce truc-là, parce que je veux dire, des moments on est bien content que comme la première partie, là ça tout marche bien. Et puis là, comme par hasard, on continue et la deuxième partie et ça devient pourri. Donc du coup on nous entend assez mal, on nous entend de loin, un peu comme la vidéo de Final Fantasy. Et c'est désagréable, moi j'aime pas ça. Ça me fait chier pour ceux qui nous écoutent, enfin pour vous quoi, c'est. Enfin bon, en espérant que ça ne refasse plus pareil. Je vérifierai bien de refaire des tests à chaque fois que je capturerai pour voir si la voix est bonne. Voilà, peut-être qu'après être resté allumé pendant 1 h 30, 3 h, ça l'a bousillé, je sais pas, il faudrait que je pense à l'éteindre parfois. Je sais pas. Il faut que je voie. Bon bref, ça va. Je me débrouille pas trop mal pour commencer. D'accord. J'ai rien dit, j'ai rien dit. C'est-à-dire je me débrouille pas trop mal avec Olimar, mais. Allez, il faut que je prenne les Pikmin. Voilà. En fait, il a pas d'attaque. Pas d'attaque super puissante. Hein. Il fait partie des personnages assez rapides qui ont pas des super bonnes attaques, mais quand même lui. Oh, peut-être qu'il y a des attaques que j'ai pas trouvées encore. Je sais pas, hein, peut-être. Et toi, t'es morte. Ouais, deux fois, je sais pas comment. Ah bon. Pas grave. Thank you.
Ça se rebelle. Regardez comme il est beau le petit Pikmin là. Avec cette tête de... Je sais pas, il est dans la lune là. Bon, moi je prends... Donkey Kong. Et Didi. C'est pas que je t'aime pas, Olimar, mais... c'est juste que t'es un petit peu pas trop fort, c'est tout. Voilà. On va dire ça comme ça pour pas trop le décevoir. Sinon, il va pleurer. Ouais, j'arrête mes conneries et... Oh, bah, j'avais même pas fait attention qu'on voyait super bien la... l'île flottante derrière. Waouh. C'est beau. Je comprends pas qu'il nous ait pas mis, par exemple, ce niveau-là dans les... dans les niveaux qu'il propose pour se battre, en fait, dans les arènes. Parce qu'il est quand même pas mal. Celui-là, il y en a qui sont moins bien que lui et ils les ont inclus, hein. Je trouve vraiment beau, hein. Ouais, et il faut s'en charger là. Dégage. Je me fais avoir. Oh punaise les ombris. Allez, je vais faire du tampon par terre, là ça va aller. Ouh. Ça c'était pas du coup fort ça. Allez, moi je fais ça moi, j'aime bien. Que comme ça que ça marche, le bourrinage. Et en plus ça marche, hein. Peut-être pas pour les... Non, pas pour les nuages. Allez. Alors eux, les nuages, ils sont pas très dangereux tant qu'on les touche pas. Et dès qu'on les touche une fois, ils deviennent noirs là et... Et après, quand ils nous attaquent, c'est destructeur. Oula, un géant capitaine. Heureusement parce que j'allais presque crever, moi. Oula, mais c'est que c'est de la technologie dans l'île, hein. C'est que c'est pas de la mouise. Alors là, ne vous fiez pas au taux de réussite en haut à droite, 34%, puisque là où il y a les drapeaux, en fait, quand on récupère tout ce qu'il y a à récupérer, les pourcents augmentent. Ouais, je te laisse Meta Knight. Ouais, faut pas se fier au pourcentage, hein, parce que je me rappelle quand j'essayais d'attraper tout ce qu'il y a dans les niveaux, les pourcentages augmentent beaucoup plus vite. Donc là, genre, on peut finir l'aventure à, je sais pas moi, 60%. Donc là, on en est déjà à plus de la moitié. Ça, c'est certain, ouais, on est à plus de la moitié. Donc, arrivée de nouveaux personnages. Non, allez, on va monter. On va faire la spécialité des Ice Climbers. On climb. On va monter. Allez, viens la Meta Knight, suis un petit peu. Allez, on se préoccupe pas. Attends, y'a quoi là? Oh, un trophée, c'est fou. Oulala, mais il y a carrément un piège. C'est que c'est des malins, hein. Bon, les Ice Climbers, c'est pas vraiment mes préférés non plus. En fait, j'en ai pas beaucoup des personnages que j'aime bien. Enfin, je veux dire, j'arrive à jouer un peu avec tout le monde vu que je mets toujours au hasard. Mais ceux que je préfère jouer, il y a donc Meta Knight parce que il est assez leste, il va vite, il fout des assez bons coups. J'aime bien Ike aussi parce que lui, bon, même s'il est lent, il fout des coups extrêmement forts. D'ailleurs, c'est presque le perso avec lequel je joue le mieux. Oui, et sans oublier Sonic aussi que j'aime bien. Parce qu'il va très vite. Qui c'est qu'il y a aussi? Je sais pas. Qui c'est qu'il y a? Tu penses à qui toi? Tu penses à qui? Hiraku! Bon, elle est morte. Elle est morte, Hiraku. Je sais pas, elle disait un personnage et là elle parle plus. Hiraku, t'es morte? Bon alors.
Ouais, bah non, après, à part ça, Ike, Meta Knight, Sonic. À part ça, je sais pas. Oui, sauf que quand je joue contre toi, je ne joue pas avec Sonic parce que sinon. Avec la balle smash, surtout, c'est. Parce qu'il faut dire que Sonic, il a quand même une bonne balle smash. Hein. Ah oui, ouais, Luigi, je l'aimais bien quand. Luigi, je l'aimais bien dans Super Smash Bros. Melee. Bon, faut dire qu'il n'y avait pas Sonic encore, donc c'est pour ça. Et en fait, bah dans celui-là, il est un peu moins fort. Donc je préfère. Sonic dans celui-là. Que monter comme dans les anciens jeux de S-Climber. D'ailleurs, dans les menus, on a les anciens jeux en fait qui sont répertoriés. On peut les gagner au fur et à mesure de l'aventure. On peut les tester seulement pendant un certain temps. Genre, ça va de 30 secondes à 3 minutes environ. Et il y a le jeu des S-Climber. Pas dire qu'il soit exceptionnellement bon. Dire que c'était les premiers, c'était pour l'époque. Dire que c'était pas mal, mais j'ai joué dernièrement et les sauts ils sont pas super bien gérés. Ça c'est surtout pour un jeu de plateforme, c'est assez handicapant quand même. Je sais même pas s'il a eu beaucoup de succès. Je pense pas sinon. Oulala, il s'est écrabouillé. Allez vite la porte. On fuit. Attends, c'est pas un bonus, c'est vrai, c'est la porte qu'il faut aller, il me semble. Bon, je sais pas encore combien de vidéos il nous faudra pour terminer. À mon avis, deux. Celle-ci plus une autre. Quoique. Ah, mais si, c'était un bonus celle-ci, non? C'est ce que je t'ai dit. Ah, putain. Alors, c'est où la. Est-ce qu'il faut. Ah, oui, c'est là-haut! Attends, mais j'ai plus ma coéquipière là. Mais comment je vais faire? C'est pas possible. Ah si, attends. Peut-être avec le tonneau, ouais. Attends, est-ce que je peux? Ouf. Parce que j'ai cru qu'il allait falloir ma partenaire là. Allez, on monte là. Putain, l'échelle, on va pas se faire. Bon, j'allais dire, on va pas se faire geler, on se fait geler. Mais puis c'est pas vrai. Dès qu'ils nous ont une fois, c'est fini. Putain, on arrête pas de bourriner. Allez, c'est parti, c'est parti. Les ombris. Ouais, donc je disais, ouais, je pense qu'on fera cette vidéo plus une autre, à part si le labyrinthe nous prend beaucoup plus de temps que ça. On verra. Dépêchons. Voilà, alors là il commence à faire du vent. On va pas aller ici parce que là c'est une porte bonus encore une fois. Et merde, mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin, c'est moi qui joue, mais bon, c'est de ma faute. Là, hop là. Là, heureusement, les sauts sont mieux gérés que dans les jeux Ice Climber, je vais y arriver. Et là, attention, on va rencontrer un nouveau personnage. Alors, qui c'est qu'on a envie de faire gagner? Ouais, si, on peut faire gagner l'un ou l'autre.
Bon, allez. C'est ta night. T'aimerais bien du cario, toi. C'est les héros qui gagnent tout le temps, enfin. Ça va être un gentil, Lucario aussi, mais bon, là, on incarne plutôt Meta Knight. Allez, c'est parti. On va pas hésiter une heure là-dessus. De toute façon, ça reviendra au même en plus. Donc, ouais, parfois, il y a des temps de chargement qui sont extrêmement longs. Hein. C'est pas grave. Il va déjà crever, hein. Fais gaffe à la caisse, ne te suscite pas, Miraku. Enfin, je dis ça, mais c'est vraiment moi qui va m'exploser. Lâche-le! Dans la vidéo, on va entendre que les boutons, là, on s'acharne sur les boutons. D'ailleurs, je n'ai pas encore parlé, mais heureusement qu'il y a les. Heureusement qu'on a des manettes GameCube pour jouer à ce jeu. Parce que essayer de jouer avec une manette Wii à Super Smash Bros. Brawl, bah bonne chance. Moi j'ai déjà essayé. Ouais. Ouais, ben. Ouais, elle a un ami qui joue comme ça. Moi c'est un truc que je pourrais pas. Hein. Allez, on va peut-être le finir, lui, non, au bout d'un moment. Oh, c'est pas vrai. Fais n'importe quoi, là. Ouais, je vais finir à ma manière. Ah non! En fait, normalement, je l'emporte jusqu'en haut, voilà, comme ça. Voilà. Classe. Pauvre Corneria de Fox aussi qui vient se faire exploser sur la montagne. Ah, je le plains. Ah, ça y est, ils se réunissent un peu tous là. Ah, je vais prendre Mario, pour une fois pour changer, Kirby et Peter. Allez. Désolé Link. C'est moi, tu me délaisses beaucoup. Ah bon? J'en suis même pas rendu compte. Je crois que j'arrivais mieux à jouer avec Link dans le Melee plutôt que dans celui-là. C'est un peu plus dur là. Ouais, ouais, c'est un peu différent. Bah, les attaques sont différentes hein, de certains comparé de. De Super Smash Bros. Melee. J'ai pas joué à celui de la Nintendo 64. J'ai vu des vidéos. Oh, pour un premier, il était correct. Hein. Mais il y avait déjà Pikachu, il y avait déjà Mario, forcément. Il y avait déjà pas mal de personnages. Ensuite, dans. Je crois qu'ils n'en ont pas enlevé entre la Nintendo 64 et Super Smash Bros. Melee. Et par contre, avec celui-ci, ils ont échangé par exemple Mewtwo avec Lucario, Roy avec Ike. Ouais, il n'y a plus Pichu, ouais, mais bon, il ressemblait quand même pas mal à Pikachu. Ah ouais, c'est vrai. Comme c'était avec un petit Pichu quand il faisait l'attaque. Comment il faisait lui? Il faisait Chou? Non, comment il faisait? Ah si, c'est ça, ouais. Et bah, il se ramassait des pourcents qui se faisait lui-même. Putain, alors ça me fait chier les trucs de feu là. Voilà. Donc ils ont fait des choix comme ça, ils ont enlevé, ils ont changé, ils en ont ajouté. C'est un
un choix. Bon, c'est bien, ça diversifie. Sinon, lesquels ils ont modifié aussi. Je sais même plus. Bah, par exemple, entre Roy et Ike, entre Mewtwo et Lucario, je vois pas lesquels ils ont changé. Ça. Par contre, dans le prochain qu'ils vont faire sur Wii U, je sais pas. Il me semble avoir entendu qu'ils allaient pas ajouter de perso. Ouais, je crois qu'ils vont garder les mêmes. Enfin, ça, c'est ce que j'ai entendu. Après, les rumeurs, hein, on sait tout ce que c'est. Peut-être que je sais pas. Mais tu verras quand ils auront vraiment la date de sortie. Ouais. Enfin, ouais. Que ce soit déjà prévu. La date de sortie, non, je ne pense pas. Voilà, donc là, un nouvel arrivant, Snake de Metal Gear Solid. Encore des jeux, honte à moi, encore une fois, que je n'ai pas fait et que je devrais faire. Je le sais, je le sais. J'en ai vu des vidéos, j'en ai vu, mais faudrait que je m'y mette. J'aurais dû m'y mettre pendant que c'était, pendant qu'il était encore temps. Mais bon, il vaut tard que jamais, comme vous allez me dire. Ouais, Snake et Sonic, c'est les deux personnages qui étaient dont ils avaient fait le plus la promo lorsqu'ils avaient annoncé le jeu, je me souviens. D'ailleurs, on voit même derrière la boîte du jeu, ils annoncent Snake et Sonic. Hop. Pourtant, il y a eu d'autres nouveaux arrivants qu'ils ont pas trop annoncé. Peut-être que ça allait moins leur rapporter, je sais pas. Mais encore, de toute façon, c'est tout du marketing et ça, on peut pas leur en vouloir. Lucario qui rencontre Snake. Quand même, imaginez le truc. Hein. Un Pokémon qui rencontre un espion. Tel que Snake. Franchement. c'est ces genres de rencontres impossibles qui font rire et qui font même plaisir aussi dans ce jeu. Parce que c'est des trucs complètement improbables. Et ils réussissent à réunir des personnages comme ça, d'une manière comique en plus. Qui ont rien à voir, dont l'univers n'a totalement rien à voir, et c'est bien fait, hein. Que dire ça, c'est bien fait, pas nier. Alors attends, ah oui, il faut qu'on enclenche des alarmes, c'est vrai. Alors, ça aussi, c'est un petit peu chiant. Ah bon, on va se dépêcher un petit peu. Ah oui, voilà, des alarmes, c'est pour débloquer ce qu'on avait vu en dessous, là, les espèces de petites plateformes. Il faut tuer tous les ennemis, comme ça. Ouais, en fait, c'est ça, il faut brûler les ennemis. Et là, après, on entend une petite alarme. Voilà. Et il faut descendre, je pense. Non, même pas besoin. Non, je crois qu'il n'y a même pas besoin de descendre, mais bon, c'est pas grave. Il réapparaissait à l'infini en fait, non? Attends, mais je sais pas parce que des fois. Ah non. Je vais dire peut-être qu'elle allait avoir une autre alarme qui allait se déclencher. Mais non. D'accord. Alors Snake, c'est un personnage assez particulier aussi. Parce qu'il a des attaques. Je sais pas, en fait, quand on fait par exemple à droite plus A, normalement on s'attend à une attaque qui soit faite de côté, en fait, à droite. Parce que là, son attaque elle est plus vers le bas. Donc c'est vrai que pour viser, c'est un
petit peu moins bien, mais je sais qu'un jour je l'avais pas mal utilisé, Snake, et à force je m'y étais tellement habitué que ben j'avais du mal à m'habituer aux autres, et que j'aimais plutôt bien jouer avec lui. Donc là, si je me souviens bien, il y a un petit passage secret, voilà. Je sais pas si ça va servir ça, ou si c'est juste un bonus. Non, je pense pas, je crois qu'il faut... Il faut les éliminer. On se bat tout avec des armes, à part quand on appuie simplement sur A, comme ça. On se bat avec les poings et les pieds. Attends, mais non, c'est juste une salle bonus, ça, non? Ah là là. Bon, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Tiens, il y en a un qui vient de s'enclencher. Bah ça, c'était la dernière, non? Alors on va y aller. Non, il me semble que c'était la dernière. Ouais, voilà, on peut y aller. C'est bon, tu suis? Je m'en fous. Je sais même pas. Non, je crois pas que c'était pas le cas. Ouais. On se fait attaquer par des Jedi. On bourrine, mais c'est plaisant. Hein. On se plaît à éliminer tous les personnages là. Ouais, j'arrête ici. Toi, tu viens de t'enflammer la gueule avec un. Ah, il est lent aussi. Il est lent. Ça, par contre, je ne me trompe pas. Écoutez, c'est bien une musique de Metal Gear Solid. La plus mythique, il me semble. Célèbre tin. Même moi qui n'ai jamais joué au Metal Gear Solid, je connais cette musique. Ouais, là j'allais en bas, mais je vois qu'apparemment il y a encore des trucs. Okay. En fait, je crois qu'il faut les tuer, c'est ça, hein? Il me semble. Ouais, voilà, c'est ça, il faut les tuer. Avancer comme on veut, ça c'est non. Après, vous allez me dire que je vois le mal de partout, mais j'allais dire, ça c'est une bonne technique pour faire perdre du temps et pour gagner en durée de vie. Mais non, attaque à distance. Ah, mais d'accord, donc là je viens de me rendre compte que ces personnages là, quand on fait cette attaque là, et ben ils les renvoient. En même temps, c'est logique, ils sont faits d'acier. Bah oui, mais il faut le tuer, hein. Moi aussi je le trouve tout mignon, mais écoute, hein. Ouais, parce qu'après quand il se réveille. Ah, attends, il y en manque un là. Ah, c'est la bombe en bas. Celle-ci là. Sûr. Bon, attends, elle va disparaître. Non. Ah non, elle est là. Oh, c'est pareil. Voilà. Du chocolat. C'est reparti, on va se battre, je regarde Snake, ça va, j'aime bien.
Elle a parfois des chargements un peu longs. La Wii, elle, elle s'exprime là. Je crois pas qu'on l'entende dans la vidéo, mais elle s'exprime. Tana, 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 tana. Je sais pas si ça le fait chez tout le monde. J'ai entendu dire il y a pas longtemps aussi que le jeu Super Smash Bros. Brawl, il était très mauvais pour l'œil de la Wii. Il y a certains jeux qui... Ouais, de ton ami, ouais. On connaît des gens chez qui ça ne marche plus. Mais le jeu ne marche plus. Ouais. Mais le pire, c'est que je crois que chez certains, ce n'est pas simplement le jeu qui marche plus, mais il y a aussi tellement que l'œil a été endommagé que la Wii ne lit plus aucun jeu. Il me semble que ça s'est déjà arrivé. Et à ce qui paraît, c'est à... Je vais crever, moi. À ce qui paraît, c'est à cause de simplement du jeu qui... Mais je sais pas pourquoi, parce que... À ce qui paraît, d'après ce que j'ai entendu, il a une double surface ou je sais pas trop quoi. Voilà, ce qui paraît, le jeu, il est pas... Normalement, il devrait pas être conseillé, mais bon, j'en ai pas entendu parler autant que ça, mais je pense que j'en aurais entendu un peu plus sur Internet si ça se savait, si c'était vraiment très fréquent, mais bon. Qui toi? Allez, elle est maligne cette Zelda. D'ailleurs, comme j'ai pas beaucoup joué non plus au jeu de Zelda, bah, je sais même pas pourquoi elle a une deuxième transformation. Ouais, bah, je pense que ouais, parce que je sais pas. En plus, la dernière fois, j'hésitais, je regardais si c'était une fille ou un garçon. Normalement, c'est un garçon, en plus, tchèque, ça fait bien penser à un garçon. Mais je sais pas. Oula. Je sais pas pourquoi. C'est une malédiction non qu'elle a eu. Schizophrène, ouais. Schizophrénie. Pauvre Link. Enfin après, je vais pas entrer dans les détails, hein. Peut-être qu'il est. Peut-être qu'il aime bien, hein. C'est peut-être pour. Je sais pas, hein. Oula. Peut-être fait exprès, je sais pas. Les soucis ne nous regardent pas. Merde, moi j'enclenche ça là. Mais ça sert à rien de venir ici. Ah si, il y a des cœurs, c'est pas mal. Alors descend. C'est parti. Attends, j'ai où là? Non, c'est pas là. Désolé, je te fais tourner en bourrique là, mais... Lui il va me toucher, voilà, c'est bon, il est content. Désolé, mais je voulais pas attendre. Ah oui, on peut faire ça là pour l'exploser. Un truc comme ça là qu'on peut envoyer avec check, en laissant appuyer sur B. Comme ça là. Ah mince, mais là il doit être trop, donc je peux pas. On va l'esquiver. Allez, on esquive, on esquive, on esquive. Allez, viens là, il raconte. Et yeah, ça se ferme. Alors là, il répertorie un peu tous les monstres. Je sais pas, ils font peut-être des expériences maléfiques. Ouais, c'était simplement pour les envoyer au combat ici. On va appliquer la technique là pour la faussaire. Si elle se retourne, on attaque, on passe de l'autre côté. C'est bon, pas eu besoin. Quoi, je suis mort? Ouais, en même temps, avec 224%, c'était un petit peu obligé. Qu'est-ce qu'il fait l'autre en bas là? Il est en train de se bugger là. Il bug.
En plus, il faut la voir, donc... Allez, viens là, petit petit. Allez, viens là. Je vais pas venir te chercher, quand même. Bah si, je crois que je suis obligé, hein. Je suis obligé d'aller chercher. Non, attends. Bon, bah voilà. Super, un bug. Enfin, je sais pas si c'est vraiment considéré comme... Ah, il est remonté. Oh, j'ai bien cru qu'on allait rester là, moi. Allez, oh non. J'allais te dire, allez... sur Star, du coup. J'ai dit on va se dépêcher, mais non, t'as pas eu le temps. Ah, ça c'est chiant ça. Autant ils ont trouvé la bonne parade pendant les combats quand on se bat à plusieurs. Aïe, mais c'est la dernière vie là. Voilà, oh, bah on va le refaire ça c'est certain. Ouais, j'allais dire, ouais, autant ils ont trouvé la bonne parade. Putain, mais je devrais dégager plutôt. C'est pas grave, j'ai commencé. Pour les combats, il recule la... Putain, mais c'est quand qu'elle est morte, là? Pour les combats, il recule la caméra. Mais là, apparemment, je sais pas, c'était peut-être pas possible. Ou alors, ça allait être injouable, s'il reculait la caméra. Bon, allez, la caméra, tu suis un peu? En plus, elle suit pas. Parce que là, ouais, quand on est à deux joueurs, ben, c'est pas très agréable. Parce que la caméra, elle suit pas. Et comme vous avez pu le voir, ben, le joueur 2, il perd facilement. Bon, heureusement, ils ont mis, ils ont permis le fait qu'on puisse appuyer sur Start pour revenir, mais il faut déjà y penser. Faut déjà, je veux dire, merde, qu'est-ce que je fais? Faut déjà, je sais pas, déjà avoir le temps de réaction nécessaire. Et puis en plus, ben, je sais pas, si on veut vraiment jouer à la loyale et correctement, habituellement, on n'aime pas appuyer sur Start. On est un petit peu obligé, c'est dommage. Oh, c'est une méthode comme une autre, hein, pour réconcilier des personnes qui se battent. Hmm. Il y en a trop eu planté. Ouais, je sais pas. Non, mais ça, c'est incohérent, mais c'est marrant. Ça, c'est sûr que... Ils ont réussi à inclure les Mister Game & Watch quand même aussi. C'est incroyable. Attends, je vais prendre qui moi? Fox, Snake et Check. Allez. Ouais, ils ont réussi à les inclure. Ouais, là, ils contrôlaient le vaisseau de Meta Knight. Normalement, Meta Knight c'est un gentil. On savait pas trop pourquoi il se faisait attaquer. Mais là, maintenant, on comprend. C'est les forces du mal encore qui s'étaient emparées des pauvres Game & Watch. Qu'ils ont fait passer pour des méchants, les pauvres. Ils n'ont rien demandé, ils étaient bien dans leur petite Game Boy. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le niveau des Game & Watch. Quand on met la pause, on voit la Game Boy en grand. C'est assez marrant. C'est une bonne surprise, ça. Alors lui, c'est assez bien, c'est quand il fait les... Comment ça s'appelle? C'est des espèces de fusées. Parce qu'on les fait, on peut les faire revenir contre lui et il se fait toucher par ses propres fusées et ça lui enlève pas mal de vie. Malheureusement, c'est pas super facile à faire.
Reviens, Hiraku. Putain, moi aussi, je vais partir. Bon, bah, moi, par contre, je suis parti définitivement. Allez, à Snake de faire le boulot, c'est parti. Ce serait bien qu'elle envoie les... les fusées, là. Oulololo. Bon, allez. Ce sont nos deux dernières vies. Le truc, c'est que... ah, c'est ça que je parlais. On va essayer de les faire revenir sur... ah oui, parfait. Et voilà, on a réussi. Magnifique. Bravo, Hiraku, bravo. Bah, c'est nous deux. On les a bien fait revenir contre eux. Voilà, je suis en train de réfléchir si on vous fera le labyrinthe, mais on verra quand on y arrivera, mais bon. Allez, prends ton Pikachu. Voilà. Ah, normalement, une odyssée, c'est jusqu'au bout. Hein. Donc, non, logiquement, on devrait le faire. On verra bien. Ça va, t'as pas besoin de partir tout seul. Non, mais en fait, t'as raison. Hein. Je crois que c'est là qu'il faut aller. Je sais pas, je crois qu'à un moment, il y a une clé. Ah, si. Ah, voilà, il y a un bouton ici. En fait, c'était juste pour ouvrir la porte, non? J'en sais rien. Il y a une clé quelque part, non? Oh non, c'était simplement des pièces pour nous faire chier. Ouais, j'en ai bien l'impression. Hein. Ouais, c'est ici. À moins que ce soit qu'un bonus, ça, non? Ah non, c'est bien là. Heureusement, ils ont gardé la musique des marteaux là, vachement marrante. Et c'est beaucoup moins marrant quand tu perds le bout. Hein. Ah ouais? Attends, les Jedi ils savent faire ça. Hein. Si, si. Ils renvoient les balles. Oula, fais gaffe toi. Heureusement que ça s'est baissé, sinon t'allais partir dans le décor. Ah non, c'était un bonus? Non, c'est pas vrai. Oh, c'est à cause de moi, c'est ça? C'est bon, t'es encore là. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on se fait avoir... oh là là! Allez, dégage-toi. Bon, bah, on va descendre. On peut plus descendre. Donc maintenant... en fait, c'est là qu'on aurait dû aller dès le début. Allez, caméra, des fois, elle suit pas. Là, faut te monter tout en haut, il me semble. Donc, allez, on monte. Ah, il y avait encore un étage. Ouais, non, mais ça sert à rien, ce que je fais. J'aurais dû te suivre. Allez, c'est parti. Oh, bah, je t'ai oublié vite, start. Et là, si elle avait oublié d'appuyer sur start, ben, elle se serait fait avoir. Et ça, c'est... et là, je crois qu'on s'est encore fait avoir. Ouais, mais je crois que c'était à gauche qu'il fallait aller. Ah ouais. Bah non, en fait, on s'est gouré. Je crois que c'est en bas qu'il faut aller, non? À moins qu'il faut encore monter. Tu crois? Ah bah non. Bon, bah, descend encore. Bon, bah, c'était peut-être à gauche. Il y a déjà un labyrinthe avant l'heure. T'as besoin de manger? Oui, moi j'ai besoin de manger un petit café là.
c'est là. J'ai une pointe. Appuie sur Star. Ah, c'est ça. Enfin. Ouh là là. Ça s'appelle un tempec. Là, il faut détruire la tête. Je suis mort. Dernière vie. Attention, prépare-toi. Il le sort pas tout de suite, son machin. Samus, elle se l'est joué à Michael Jackson. Allez, c'est bon. Encore? Non. C'est pas aller où? Là-bas? Ah oui. Attends, mais... Non. Je comprends rien. On est perdu. Ah ouais, là, on est perdu, là. C'est là? Non, on y a été, là. On y a été? Putain, non. Non, non. Ah bah non. Moi, je dis... Ah, t'es encore morte. Bon, bah, c'est pas grave, on refera. Moi, j'essaie de speeder. Allez. C'est là où je dois... Ah bah non, c'est la fin, il me semble. Je vois des espèces de rayons, là. Généralement, c'est-à-dire que c'est la fin. Mais bien sûr, je vais mourir. Allez, c'est là où il faut que je me concentre. C'est bien, ça, ça, c'est bien. Mais là, je suis trop grand, j'arrive même pas à les atteindre. Regarde ça. Putain, allez. Voilà. C'est la fin. Ah là, il regrette, il regrette. Quel curieux personnage. Allez, on y retourne. Oh, j'aime bien Captain Falcon, il a des bonnes attaques. Non, l'image, je ne te prendrai pas encore maintenant. Eh non. Seulement lorsque je serai obligé. Ouh. Eh ben, on a fait déjà pas mal de chemin, hein. Oh, je t'ai encore laissé. Désolé. Enfin, c'est là qu'il faut aller, non? Voilà, c'est ça, c'est qu'on veut aller vite, mais en même temps, il faut pas oublier le personnage de derrière, vu que quand on est le personnage principal... Fais gaffe. Start. Je croyais que t'allais pas le faire. En plus, le bouton start, on peut pas dire qu'il soit bien à côté. Bizarre, ils ont les mêmes attaques que pour eux. Pff, moi je me fais exploser. Et qui c'est que je vais avoir? Allez, Olimar, génial. Il est où? Il est où? Ah, c'est bon. Putain, je me fais exploser. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, là, il n'y a plus personne. Allez, arrête, arrête ton boum boum, viens là. Ah non, non, non. Non, faut pas qu'on la prenne. Il me semble, hein. Non, c'est bon. Oups, oups, oups. Et voilà. Oh, cette chance. J'ai atterri sur une plaque. Oh là 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 là. En plus, c'était la dernière vie, là. Ça l'est toujours. Une vie, par pitié. Oh là là. Je le savais. Et t'appuies sur start avant de... Ah, c'est là, les allumants. Vas-y, appuie, là, appuie. Donc là, on va se brouiller. Attention, ça descend. On va casser un peu plus. On descend. On doit allumer des trucs de couleur bleu, rouge et jaune, il me semble. Ou vert, je sais pas. Ah. Ah, ouf. Ah oui, c'est vert, plutôt. Allez, plus qu'un. On speed. Oh, Lima. Tu sais peut-être pas te battre, mais au moins tu sais peut-être speeder un peu. Oh là, on est obligé de les battre. Avec 100 et quelques pourcents.
Alors ces petits monstres là, les pixelisés là, ils peuvent paraître pas très fut-fut, mais quand on les attaque et que après, c'est comme les nuages en fait. Au bout d'un moment, ils ont une vie. Oh oui. Au bout d'un moment, ils deviennent incontrôlables et ils nous font des attaques de dingue. Donc il vaut mieux les tuer tout de suite. Ouais, voilà. En plus, ah oui, c'est ça, ils se régénèrent. Je sens qu'on approche de la fin là. Je sens qu'on est pratiquement au labyrinthe. Pff, bah dis donc, heureusement qu'il reste une vie. C'est que je vais avoir là normalement le premier, c'est-à-dire Captain Falcon, c'est ça? Je me trompe pas? Non, je sais bien, c'est ça. Captain Falcon. Falcon Punch. J'aime bien ce moment. Ah, et ben je suis tout seul. Non, ça je m'en fous, je veux pas vous tuer. Je suis gentil, je vous laisse la vie sauve. Et merde. Vite. Allez. Vous par contre, je vais pas vous laisser la vie sauve. Désolé. Vous allez m'embêter. C'est pas que vous êtes dangereux, mais vous allez m'embêter plus qu'autre chose. C'est tout? Non, allez. Ah oui, je sentais bien. En plus, je crois que ça va. Les murs se rapprochent. Je vais me faire écrabouiller. Non. Bon, quand vous voulez. Bah j'attends. Voilà. Une clé, alors allez, vite. Je crois qu'elle est ici. Bon, je vais y arriver. Voilà. Comme ça j'évite les monstres. C'est pas que t'étais un peu encombrant, mais presque. Surprise, qui s'en serait douté? Allez, bah je vais le prendre, rien que pour l'occasion. Tu prends pas ton Pikachu, toi? Captain Falcon et allez, Samus. Bonne petite équipe, ça. Et ouais, ça y est, donc là, ils ont découvert le QG, là où ils fabriquaient donc les bombes subspatiales qui englobent bah, les endroits dans lesquels ils les font exploser. Voilà, ils vont empêcher que le mal continue, je pense que vous avez compris. Hein. Mais bon, Ganondorf n'était qu'un hologramme et il est reparti ailleurs pour poursuivre ses plans machiavéliques. Ouais, c'est bon, si on gère pas trop mal, on va s'en sortir. Allez, Big Rob, brother. Bien sûr, j'ai le marteau, il n'y a aucun ennemi. Allez, Pika. Fais-nous du Pika. Attention, mes coulettes. Alors, eux, on les bourrine. Ça s'appelle des raturés. Bourrine. Non, non.
Là, ils vont pas être contents, là, ils vont pas être contents vite. Ah non, c'est pas bon ça. Moi, je vise que lui là. Putain. Aïe, 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 aïe. Attention, Pika. Deviens méchant. Deviens méchant le raturé. Heureusement que j'ai mangé du curry. Les petits points que, rouges que vous voyez en à gauche, je pense que vous l'avez compris aussi, c'est le nombre d'ennemis qui restent avant que je termine. Bien ça, ça c'est bien, ça c'est une bonne attaque. C'est celle dont je parlais. Donc j'avais dit en bas plus A, mais on peut aussi la faire en fait avec le joystick C de la manette GameCube. Par contre on peut pas charger, on peut charger seulement quand on fait en bas plus A, on laisse appuyer, comme ça regardez Rob, voilà on charge. Et donc plus on laisse charger longtemps, plus l'attaque est forte. Parce que quand on fait simplement le C, ça charge pas, ça le fait directement. Oh mince, je vais contre la bobombe. Je pensais que j'allais pouvoir la prendre mais non. Mais bon je pense que c'est bon, on va réussir. Quoique là, je crois qu'il y a des bons monstres là qui arrivent. Voilà. Allez, occupe-toi de celui de droite. Oulalalalalalala, j'ai failli crever. Et celle qui s'est occupée de mon. Voilà. Et moi j'ai tué le mien. Vite, 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 faut lui mettre sa pâtée lui. Sinon il va pas être content. Voilà. Allez, on le finit là. Falcon Punch. Voilà. Yeah baby. Ça va Hiraku, tu tiens le coup? Oui. Bon. Bon bah je te laisse ton Pika, moi je vais prendre Captain, je vais prendre Donkey et Samus. Non Lima, je te prendrai toujours pas. Oulala, je vais trop vite, je suis plus vite que le scrolling. Attention la bombe. Voilà, presque servi à rien. Ça c'est assez embêtant quand on est dépendant du scrolling, on est obligé d'attendre. Bon c'est pas grave, heureusement il n'y en a pas énormément. Oulala ! Ouais bah là ça nous aurait servi justement d'attendre. Allez hop. Il sent mal ces types, il sent mal. Ouf. Et moi je shoot dans la bobombe. Bien joué. Ne pousse pas. Non, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il fait Pikachu? Allez, dégage. Dégage. C'est de classe. Ça mériterait une photo. Oulala, oulala. Allez, vas-y, évite les. On va éviter les plaques. Là, c'est bon, on est plus dépendant. Descend, 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 descend. Oulala. Ah, j'ai pas pu passer à travers. C'est bon, t'es toujours là? Non? T'es sûr? Ah, mais non, mais t'es morte. Ah, dommage. Moi, j'ai pas tardé de crever aussi. J'aime pas quand on voit pas ce qu'il y a en dessous. Encore? Bon c'est pas grave, il nous reste encore. Oh bah moi je suis mort aussi. Hein? Quoi? Oh non, c'était la fin. Non, on va devoir tous retaper. Continuez. Oh. Non, dites-moi que non. Dites-moi que non. Ah, c'est bon, c'est ici, ça va. Putain, je vais plus trop taper.
Allez, on grouille. Oh non, c'est vrai, le scrolling. Et cette fois, on arrive en bas sans perdre. Ah, on va prendre le cœur, bon, trop tard. Et là, on gère, on gère. On gère Albert. Ouh là là, j'ai crevé. Ah, c'est bon. Et vite, 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 vite. Vite! Ah, c'est que elle peut pas prendre les portes. C'est... Yes. Ouh, je sens le Metal Ridley là. Come on! Aller aux images et te faire plaisir. Oh le pauvre, il faut bien penser à lui parfois. Si. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu les battre ces monstres. Quand je faisais le Smash Boss là, je l'ai fait en pro, j'ai réussi très difficilement. Et maintenant en extrême, c'est totalement impossible. Mais heureusement, je vous parlais des défis, je crois que c'est dans la première partie. Et il y a un défi, c'est de finir Smash Boss en extrême, ça j'avais déjà dit. Mais au moins ce qui est bien, c'est qu'on peut... on met à notre disposition des espèces de marteaux qui nous permettent d'esquiver les défis si jamais on n'arrive pas à les faire. On en a 5 en tout. Et moi, il me reste 3 marteaux et 2 défis à faire. Donc si jamais j'y arrive pas, je peux le faire quand même. Non, Jedi Island, non. Pour Jedi Island, wouhou, je vais pleurer. C'est pas grave, on va rétablir l'ordre. Alors, ici, je crois que c'est... Oh, voici la cinématique que je préfère.
c'est géantissime cette cinématique. Et en plus avec un beau home cinéma, là ça, je peux vous dire que ça pète, hein. Ça fait du bien. C'est du bien aux oreilles. Ah, donc voilà, là ils sont tous réunis. Bah, je crois que c'est là que le labyrinthe commence, non? Non, je crois que, non, je crois qu'on a... Ouais. Après, il y a tous les personnages qui disparaissent. Oui, c'est ça. Et c'est là où ça commence. C'est ça. Donc, ouais, donc pour le moment, on peut continuer à faire ça. Alors, moi, je vais choisir Metanite. Il est là, Ike. Ouais, on va choisir Ike. Et tu veux qui, toi, sinon? Yoshi. Allez, Yoshi. Allez, alors ça c'est un mime. Ça, je suis certain que c'est tiré d'aucun personnage. Au moins, c'est propre à l'histoire de Super Smash Bros. Et le labyrinthe, donc c'est juste après. Comme l'a dit Raku. Je pense que je déciderai plus tard, quand on y sera arrivé, si je le montre ou pas. Et en même temps, j'ai envie de montrer le labyrinthe parce que bon. Même si c'est intéressant de tout refaire, c'est... Enfin, si c'est pas très plutôt intéressant de tout refaire, on passe quand même assez rapidement. Et je veux dire, dans une odyssée, il faut quand même tout faire, normalement. C'est le but, hein. Donc on verra bien. On verra comment je me déciderai. De toute façon, je pense qu'on commencera le labyrinthe dès la prochaine vidéo. Si jamais je décide de quelque chose. Bon, voilà, hein, c'est simplement de la destruction de personnages. J'aime bien cette attaque là avec Metanite. On laisse appuyer sur A et il s'occupe du travail. Hein. Pratiquement imparable. Comme ça, hop, et c'est bon, on reste comme ça. Et voilà. Et on refoute, toi, dégage. Allez, viens là, Pika. Te fais pas tuer. Plus vite. Et on bourrine, va sur le toit. Et c'est parti. Bien, là, on l'a détruit direct. En fait, cet ennemi-là, comme vous l'avez compris, je pense, il faut le bourriner tant qu'il est ouvert. Après, il a son dragon, là, c'est un... Oulala. Voilà, on passe derrière. Oh, bah t'es morte. Je passe derrière. Je suis où, là? Oh, putain. Viens m'aider, Raku, viens m'aider! Oh là 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 là. Je vais m'occuper de la fausse herbe, d'abord. Ouais, l'ennemi de tout à l'heure, quand il a son dragon, là, c'est il est presque invincible, ça, on lui fait presque rien. Oh là 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 là. Je sais plus quoi faire, là, fait ça. Bien, bravo. Avec les coups, là, de Ike, c'est bien. Ouais, du coup, voilà, c'est lui, là, il faut détruire son dragon. Oh non, je suis mort. Eh ben, c'est fini. Et c'est chiant parce que quand le premier joueur il perd, le deuxième joueur il peut pas continuer. Alors que si c'est le contraire qui se passe, on peut. Ça c'est. Pff, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Parce que voilà, je crois qu'on va être obligé de tout recommencer. Non? Putain, heureusement il y a. Ah non! J'allais dire heureusement il y a des checkpoints, mais non! Oh là 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 là. Bon alors, je ne vois qu'une chose à faire, se concentrer. Se concentrer, pas jouer au ballon. Oui, mais là, il y a personne. On peut s'amuser un petit peu. Putain. Déjà qu'on... Oh là là. Ouais, je sais, mais moi aussi, j'ai failli crever. Je croyais que j'étais mort aussi. Putain. Alors déjà que j'ai pas trop envie de perdre de temps parce que c'est déjà bien assez long comme ça. Si en plus, on doit se retaper tout le temps des niveaux comme ça, bah disons, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas plutôt sorti de ce monde, de cette distorsion subspatiale.
ou comme ils le disent dans le titre, de cet émissaire subspatial. Ah bah, Ike. Ouh. Je serais tombé, je serais allé te chercher. Pour te faire la peau. Putain, ils craignent rien, ces personnages. Ah là là. 90%, 60%. Allez, viens, viens, t'occupe pas parce que. Bon, maintenant, faut se la jouer stratégique. Allez, on bourrine. Faut pas lui laisser le temps. Trop tard. Bah, là, il fait que avancer. Allez, libère-toi. Qu'est-ce qu'il attend? Là. C'est bien. C'est bon. Go. Ouh là là, la fausse serpe. Fais la technique. Là, tu bourrines. Tu passes derrière. Ouh là là. Eh, c'est bien, là. C'est bien. Allez, allez. Presque maintenant. Et moi, je suis mort. Là. Ne meurs pas, s'il te plaît, par pitié. J'ai besoin de toi. C'est bon. Allez, prends-la. Vite. Voilà. Allez, go. Profites-en pendant que t'es un gros sac, là. Un gros sac. Vite, le dragon. Yes. C'est fait. Dragon mécanique. Ah oui, il faut le bourriner maintenant. Voilà. C'est bien, on s'en sort bien. Allez, viens. Vite. C'est vrai qu'il court pas bien vite. Mais non, on tombe pas là. C'est justement une illusion d'optique, fallait le savoir. Voilà, donc là nous avons eu droit à une guerre entre les méchants. On ne sait pas trop ce qui se passe, il y a Ganondorf qui trahit Bowser, ensuite après il y a la main qui se fait attraper par Tabou. La main qui était d'ailleurs le méchant principal de Melee, et qui là est devenu secondaire, puisqu'il y a carrément cette fois une forme humaine en tant que méchant principal. Et c'est ici que débute le... du labyrinthe. Et on va le faire ? Allez, bah c'est parti. Eh ben on le fait. Allez, courage !
Non, moi je prends pas Wadididou, je vais plutôt prendre Luigi, hein, parce que... Moi je prends Nescafé. Je suis bien qu'il soit devenu gentil subitement, là, le roi Dadidou, mais... Je sais pas ce qui m'incitera à le prendre. Attends, mais ça commence pas tout de suite. Mais... Bon, allez, on dégage, ça me saoule. Ça commence pas tout de suite, je crois, le labyrinthe. D'abord, faut récupérer les... Oui, encore, on n'est pas obligé, il me semble. Ah si, en fait, ouais, il faut les récupérer pour que après dans le labyrinthe, on va dire que c'est l'avant c'est pendant le labyrinthe, je crois. Bon, ils disent d'aller en haut, mais il vaut mieux en débloquer un maximum. Voilà. Après, je sais pas s'il y en a un autre. Non, mais là non. Ouais, en fait, ça permet de débloquer les personnages avec lesquels on pourra jouer pendant qu'on fera le labyrinthe. Donc voilà, il vaut mieux qu'on en débloque un maximum. Comme ça, on pourra avoir le choix. Et si jamais Iraku, elle a pas son Pikachu, ah là, c'est la fin du monde. Elle va pas vouloir. Non, je rigole. Non, quand même. Allez, on monte. Un petit Donkey Kong là. En bas, normalement. Il y a d'autres personnages. En bas, non, je pense pas. Ça nous ramenait au début. Là, il doit y en avoir. Nouvelle sorte Pokémon. Oh la Pikachu, c'est parti. Elle l'a pris. Elle a foncé comme une dingue là. C'est bon, je te sauve. Je me prêtais à foncer, mais non, c'est elle d'un coup là. Elle a vu son Pikachu, elle est devenue hystérique. Ah bah t'es mort. Non, elle est trop jolie. Marthe. Ah, oula. Le roi de Didou, malheureusement. Faut faire avec. Alors attends. Attends, j'ai une idée. Comme ça, ouais. Et Fox, ça c'est pas mal. Y'en a pas un de l'autre côté? Non, c'est bon. Il faut tous les sauver. Attrapez-les tous. Ah, vite, la porte! Allez, la porte! Non! T'es sauvé. Ouais, merci, t'es trop fort, Wada Didou. Oh, merci. Par contre, là, je peux pas le faire. Hein. Ouais, bah, tu me suis avec Start, alors. Je suis trop bien pour ça. Ouais. Il y avait pas des figurines? Si, là, il y a Diddy Kong, voilà, c'est bon. Et il y avait quelqu'un... Non, mais là, c'est juste pour récupérer les figurines. Là, ici, il y a... Ah non, ici. Oh, en fait, je sais pas. Oh, s'il y avait des figurines plus loin, bah, écoute, c'est pas grave. Hein. On a récupéré Mario. Voilà, c'est l'essentiel. Non, moi, j'aimerais bien qu'il y ait Meta Knight, mais je crois qu'on l'a déjà pris, non? Non. Non, je sais pas. Ouais, Meta Knight, Ike. Ike, non, tu vois, on l'a pas pris. La bête. Ouais, on le réveille, mais il est pas content. Donc on va lui montrer qui c'est les maîtres. Oh ouais, deux rois d'Adidou. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Tiens, vas-y, envoie-lui tes trucs. Il faut lui envoyer que deux à la fois, je crois. Mais si je les tape, moi, ça va pas le faire. Attention, écrasement. On s'y met à deux là. Tape à côté. Oh oui, la batte de baseball. Attention. Je suis de côté. Oh non, il s'est protégé. Oh, la tenue. Eh, ça. Bravo, Iraku. Voilà. Bravo, magnifique. Elle le tient. Batte de baseball, parfait. Thank you.
Et voilà. Mais t'as peut-être pas un hack, mais en tout cas, il y a un mart. Ouais. Ouais, parce qu'apparemment, ils étaient tous là, alors. C'est ça? Oui. Ouais, bon, ok. L'univers spatial. Non, mais c'est pas fini. Ça, c'est labyrinthe. T'es sûr? Sinon, ça devrait s'appeler labyrinthe, il me semble. Ouais, il me semble que c'est pas fini. Il est trop mignon. Il est perdu. Oui. Heureusement que Cora de Didou lui avait mis ça. Ah non, raté, raté. Bon, attends, ça, on va le faire ici. Voilà, parfait. Attends. Bravo. Zelda. En bas, il y a qui? Personne. Vite, 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 on dégage. Là, je crois que c'est pas possible. Ah, Meta Knight, Meta Knight, Meta Knight. Kirby qui veut sauver Meta Knight. Ça, c'est pas normal. Enfin, là, il doit tous se mettre en équipe, de toute façon. Voilà, l'angle des couleurs. C'est joli avec toutes ces couleurs, là. Donc, aime bien. Oh, bah, Yoshi, tu le veux? On va essayer de l'avoir. Ah, ça va être compliqué. Allez. Attention, je peux y arriver, je peux y arriver. Oh, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que je fais pas pour toi. Allez, c'est bon, on l'a eu. Bon, je vais poser ici. Lucario. Allez, combat. Je commence à m'habituer là, à les tuer. Je commence. Ça fait temps, on a regardé ça. Voilà. Une vie. Yes. Ça sert à quoi de mettre le scrolling là? Sérieux? Ah si, je sais, ils vont nous mettre des trucs électriques et tout. Là, ça va bien nous faire chier. Allez, des nuages, il manquait plus de ça. Non, non, fais pas le bébête. Allez, allez. Bourrinon, bourrinon. Je crois que c'est bon, il n'y a plus de personnages à récupérer, il me semble. Si. Si, tu crois? Quoi? Ça va faire bientôt une heure et demie, il faudrait que ça se termine. C'est pas grave si ça fait 1h31. Bah du coup on arrêtera, oh merde. Du coup on arrêtera juste avant le labyrinthe. On va faire ça. Allez, viens là. Non. Et voilà, ça je le savais, je le savais. Bon, heureusement on a pas mal de vie, donc on a bien résisté jusque là je trouve. C'est pas mal. Il y a encore un lancelier là. Oh monsieur, il a pas fait long feu. Allez, dégage. C'est bon. Allez, on fonce là, on fonce. Ah, oh, robe. Allez, un peu la fin. Il me semble. Ice Climber, ouais. Et on fonce là. Snake. Ça, c'est pas mal ces trucs qu'ils ont inventés. J'aime bien. Allez, on est obligé de les tuer, je parie, bah oui. Allez, vas-y, je bourrine, je bourrine, je bourrine. Il n'aura pas fait long feu. Oh si, quand même, il résiste, il résiste. Allez. Voilà. Je crois qu'on était même pas obligé, apparemment. Si, peut-être le gros. Je sais pas, on peut arrêter. Je sais pas. La tête. Là, il y a des poulettes qui vont nous faire chier.
Allez, petite poulette, dégagez. Juste avant qu'il ouvre les yeux. Parce que quand il allait ouvrir les yeux, après il allait nous lancer un laser et. Sachant que Hiraku est à 240%, ça va pas faire du bien par où ça. Donc ça va passer. Ah, c'est la fin là. Regarde les rayons, regarde les rayons, ça y est! Allez, voilà, c'est terminé. Enfin, pour ça, maintenant, on va commencer le labyrinthe. On a débloqué pas mal de personnages. Voilà, on s'arrête ici. On va reprendre un peu plus tard. Enfin, pour vous, beaucoup plus tard, je pense. Donc, ce sera juste après. Et puis, eh ben, écoutez, on vous dit... si vous avez du courage encore pour continuer à nous suivre jusqu'à la fin, eh ben... À la prochaine pour l'autre partie, peut-être la dernière, je pense. Quoique le labyrinthe c'est assez long, mais on essaiera de se dépêcher. Et voilà. Allez, ciao à tous.